Salut tout le monde, on est le 2 janvier dans les Alpes du Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et je vous fais partager ce moment parce que, pour ceux qui regardent mes vidéos sur YouTube, on est dans les fleurs, dans les coquelicots, c'est la nature, c'est joli, il fait chaud, je me balade avec mon chapeau de soleil, mais là cette année plus particulièrement, force est de constater qu'il y a 40 cm de neige, il neige depuis Noël. Après, ça a arrêté 2 jours, ça a gelé et ensuite il a neigé. Voilà, je vous montre un peu. Donc, il y a une épaisseur absolument, je m'enfonce dans la neige. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, il y a des flocons qui arrivent partout. Il y a souvent l'eau qui gèle, donc quand je me réchauffais, à part le feu de bois, puisque on n'a pas l'électricité, on est au bois, il y a eu des jours où c'était un peu dur parce que le matin l'eau était gelée dans les tuyaux et dans la cuve, parce que c'était descendu vraiment en dessous de zéro, vraiment vraiment style moins 8, moins 10, et dans ces conditions, l'eau elle gèle en fait et on peut plus se laver, il faut attendre que ça dégèle. Bon là en ce moment elle est pas gelée malgré ce paysage extraordinaire, je fais attention pour pas tomber mais voilà, quand on descend en pick-up et on redescend dans 50 cm de neige, là on est bloqué parce qu'il y a trop de neige, donc il faut déneiger 3 km de piste, donc pour le moment on est bloqué ici. Et on tient au bois et à la chaleur du feu. Et voilà. Oui, là, ça s'enfonce vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. Je voulais construire une mangeoire à oiseaux. J'ai pas eu le temps parce qu'il a pas arrêté de neiger. Voilà les petits loups. Je voulais vous faire un coucou du haut de la bergerie. En espérant que ça arrête de tomber, qu'on puisse descendre. À partir de lundi.